Le coup d'envoi du match donné par le Stade Rennais. Le ballon qui sort, touche. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le numéro 27, Wagner Diaz. On va construire en passant sur les côtés. Ce sera une touche. Maïga. Et il a toujours le ballon. Il a piqué son ballon. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Federico Ricci. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Eduardo Camavinga. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Attention à la frappe. Oh, l'égalisation! Elle est au fond. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et ils égalisent donc. Un but partout. Dylan Brown, Maïga, Vincent Pajot. Ouais, peut-être une situation intéressante. Là. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, touche. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Ouais, le tacle et le ballon qui sort en corner. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Il donne par-dessus. Tire. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Le ballon sort, ça va être une touche. Allez, le ballon qui est dégagé. Martin Terrier. Nzonzi. Ça part bien. Action dangereuse. On cherche un partenaire en profondeur. Ouais, le bon tacle. Maïga. Vincent Pajot. Ouais, il a gagné son duel, attention. Contré. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. On a, c'est un adversaire qui récupère cette passe. La touche sera pour le Stade Rennais. Benjamin Bourigeaud. Nzonzi. Guirassy. Oui, ça s'est donné comme il faut. Oh, c'est dangereux. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Benjamin Bourigeaud. C'est parti dans la surface. La reprise, magnifique! Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Alors qu'on voit revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense.
Et ensuite, frappe à mi-distance, imparable, puissante. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. La fin des 45. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. Ouais, c'est reparti pour 45 minutes. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Thomas Delaine, ça c'est donné à l'adversaire. La transversale pour renverser le jeu. Et c'est contré par le défenseur. Il progresse vers le but. Vincent Pajot, Maïga, le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Benjamin Bourigeaud, Nzonzi, il a piqué son ballon. Benjamin Bourigeaud. Et ça part très loin avec ce dégagement. Après avoir entendu les rumeurs les plus folles au sujet de ce transfert et de ce joueur, beaucoup d'entre elles étaient démenties, à peine sorties. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Ah, il a pris du risque hein, quand même en tentant ce tacle dans la surface, mais il a eu raison, bien joué. Benjamin Bourigeaud. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. La touche. Il centre sur le défenseur. Ouais, le pressing haut, efficace. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Attention, il a du champ devant lui. Opa Nguette. Arrêt du gardien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Ah, il a bien lu le jeu. Pas génial les stades de possession du Stade Rennais, mais au moins cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Ah ouais, super, mais il file au but. Bien défendu, mais il faut vite ressortir hein, ce ballon. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il lui donne carrément. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Il s'est ouvert le chemin du but. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. La touche sera pour le Stade Rennais. Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Ouais, il a encaissé le choc, mais quel équilibre! Voilà, ça va être intéressant là, de voir le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Ouais, sur le film, il est hors-jeu sur cette situation.
Oblété. Un but d'avance pour Rennes. Et les Bretons qui sont bien hein, dans leur match. Dalbert. Allez, va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Adrien Hunou. La reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Et on va jouer 2 minutes de plus. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Pour son partenaire au premier poteau. Le gardien qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. Voilà, c'est terminé. Mission accomplie pour l'équipe locale qui fait le plein de points dans ce match. Benjamin Morigeau. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Attention à la frappe. Benjamin Morigeau. C'est parti dans la surface. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Adrien. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité.